Good morning, allez Yiden, nous sommes aujourd'hui le lundi 6 Adar Aleph 5776, l'étude sera les Lunishmat Rivka Bat Sarah et les Zivugagoun de Chava, Muriel, Fleur, Bat, Jeanne, et nous commençons le deuxième Perek, Perek Bet Mishnah Aleph. Keitzad Regel Moedet le Shaber Bederech Hilucha, Abehema Moedet le Haler Kedarka ou le Shaber. Aïta Mevaetet. או שהיו צרורות מנזין מתחת רגליה ושיברה את הכלים, משלם חצי נזק. דרסה על הכלי ושברתו, ונפל על כלי ושברו. על הראשון משלם נזק שלם, ועל האחרות משלם חצי נזק. התרנגולים מועדים להלך כדרכן ולשבר. היה דליל קשור ברגליו, או שהיה מהדס ומשבר את הכלים, משלם חצי נזק. Nous expliquons hier que la dernière Mishnah du premier Perek, la Mishnah d'Alet, après hier donc, le milieu de la Mishnah est en fait donné là-bas des généralités qui sont ensuite la base, qui deviennent la base du Perek Bet, où chaque Mishnah ou deux Mishnayot, on va reprendre une phrase explicitée là-bas, une généralité, que maintenant on va commencer à attaquer de front, à plus rentrer dans les détails, à la déterminer. En l'occurrence, on va prendre il y avait dans la phrase d'hier dans la Mishnah, « Aregel Moedet le Shaber Bederech Hilucha » que où la bande introduisait donc le Nézek de Regel, que dans sa caractéristique essentielle est de causer des dégâts cassés Bederech Hilucha pendant qu'elle marche. Et donc là maintenant la Mishnah commence et nous dit « Ketzad Aregel Moedet le Shaber Bederech Hilucha » La Mishnah pourrait être en fait décomposée en deux parties. La première partie de la Mishnah est d'abord de préciser la caractéristique du nézek de Regel, le pied. Et la deuxième partie de la Mishnah, ça va être rentré dans un cas particulier qui va s'appeler le tsorot, le gravillon, les graviers. La première partie de la Mishnah, comme ce qu'on a dit, est de préciser les caractéristiques du nézek de Regel. Le but de la Mishnah est de préciser, sache que Regel, il y a plusieurs halakhot qui vont dépendre du nézek de Regel. On sera par exemple Patour Birchut Arabim, on payera depuis le début Nézek Shalem par exemple, quand on rentrera Birchut Ayachid. Il y a comme ça des caractéristiques sur chaque Avnezekin. Et la Mishnah nous enseigne, attention, ne te trompe pas, ne crois pas que le Nézek de Regel est qu'on condamne quelqu'un à cause de rembourser des frais de Regel, parce que c'est le pied qui cause le dommage. Ne regarde pas le pied qui cause le dommage, mais regarde plutôt le symbole du pied. Le pied, marcher, Bederech Hilucha, c'est quelque chose qu'on fait de manière tout à fait naturelle et sans intention particulière. Et donc, c'est ça la caractéristique du Nézek de Regel. C'est à double tranchant. Ça signifie que parfois avec un pied, on peut être chayav, on peut être se faire condamner de rembourser, parce qu'en fait le pied devient un dérivé de la corne. Ça, c'est quand on veut donner un coup de pied. Et inversement, on peut travailler avec Mishum Regel, même sans utiliser le pied. Par exemple, une vache qui marche en baladant sa queue et elle fait tomber un vase sur son passage. Ou encore même un animal chargé, qui avec sa charge, il entraîne avec lui des ustensiles qu'il fait tomber par terre, qu'il les casse. Tout ça, ça s'appellera Regel. Parce qu'ils ont le même point, la même singularité, que ce que représente le pied, le fait qu'on marche sans intention particulière et qu'on cause des dommages. Ça, c'est la première partie de la Mishnah. Et alors, on va faire les deux premières phrases. Keitzad Aregel Moedet Leshaber Bederech Hilucha. Comment est le cas de Regel du pied, donc du Nézek du pied, où je t'impose de payer Nézek Shalem depuis le début, c'est quand on casse Leshaber Bederech Hilucha, uniquement quand on casse Bederech Hilucha en marchant tout à fait habituellement, sans intention de causer un dommage quelconque. A Behema Moedet l'Aler Kedarka ou Shaber, la Mishnah nous précise davantage, l'animal a l'habitude de marcher naturellement et de causer des dommages. Vous allez me dire, c'est exactement la répétition des mêmes phrases. La Gemara explique en fait que on donne le cas type et le cas dérivé. Le cas type est représenté par le pied qui cause un dommage en piétinant pendant qu'il marche. Et ensuite, on rentre dans le cas dérivé où finalement la Mishnah nous enseigne, sache que de n'importe quelle manière où l'animal causera un dommage en marchant de manière habituelle, il devra payer au même titre
selon la caractéristique de Regel. Par contre, si avec son pied, il met un coup de pied avec intention de causer un dommage, intention mauvaise de faire du mal, alors là, c'est la Mishnah qui va nous lancer l'ensuite, qui va nous dire « Haïta meva etet » Si elle donnait un coup de pied, on saute un petit peu cette phrase, on arrive, là-bas, on va dire qu'il faut « Meshalem Khatinezek », il faudra payer Khatinezek à cause de Kelem. D'accord? Parce que cette fois-ci, c'est avec intention de causer un dommage. Donc, le pied joue le même rôle qu'une corne, qui est un membre que... Enfin, un membre du corps que la BMA utilise pour causer un dommage. C'est clair? Maintenant, la deuxième introduction de la Mishnah, c'est le cas particulier de Tsorot, le gravier. Dans la Torah, on distingue une action réalisée avec le corps directement, ou bien en appliquant une force, mais au moment où l'action se concrétise, c'est plus mon corps qui l'actionne, et Kohar Kocho, c'est la force provoquée par une autre force. Je m'explique. On va prendre le cas évoqué par la Gemara, le cas d'un meurtre. Le meurtre, selon la Torah, celui qui tue, c'est uniquement s'il tue avec ses mains, mais aussi s'il tue avec sa force. C'est-à-dire, il prend une flèche, il lance la flèche et il tue à distance quelqu'un. Puisqu'il applique une force sur la flèche et la flèche tue, on considère que Kocho Kegufo. La force, sa force est considérée comme s'il agissait avec son corps. J'ai pris le cas d'un meurtre, on aurait pu prendre même le cas de faire Netilat Yadayim, où il faut forcément verser avec un cli sur quelqu'un. S'il y a un clic, une bouteille qui se renverse, ou un ustensile qui se renverse, et que maintenant il verse l'eau, je ne peux pas mettre mes mains et faire Netilat Yadayim, parce qu'à nouveau, il faut une force humaine qui met la force. Et là, il va y avoir les mêmes halakhot, que ça va dépendre de Kocho. C'est l'idée de Kocho, appliquer sa force. Dans toute la Torah, Kocho Kegufo, on considère une force appliquée comme si c'était mon corps qui faisait directement l'action à distance. Par contre, Kohar Kocho n'est plus considéré comme ma force. Si ma force appliquée provoque qu'il va y avoir une force qui va s'appliquer sur un deuxième élément, alors là, c'est la force de ma force, on considère que c'est plus ma force. La grande Nafkamina, la Gemara nous enseigne par exemple, si j'ouvre un barrage, moi ou quelqu'un d'un peu plus méchant, ouvre un barrage sur quelqu'un pour le tuer, un barrage d'eau, alors au moment où il va ouvrir le barrage d'eau, la première eau qui va sortir, on considère que c'est sa force. Mais après, l'eau qui va continuer ensuite à descendre, à partir beaucoup plus loin, où ça va être finalement, ça ne va plus être directement sa force, mais ça va être la force de sa force. Alors là, je serai patour du Chiouv Mita. On aura l'occasion de parler de Grand Babin Zekin, c'est vraiment pas notre sujet, mais c'est juste pour illustrer, c'était quoi ma force, c'était quoi mon corps qui agit. Agir par ma force, ou agir avec la force de ma force. Donc, selon ce principe, si je suis Chayav, si mon animal qui écrase un fruit, je suis chayav de le payer intégralement. Selon ce même principe, en théorie, si mon animal, pendant qu'il marche, il envoie un petit caillou et il casse une vitre, je devrais aussi être chayav de payer des HLM, parce qu'il a cassé avec Kocho. Or, on a dit que Kocho Kegufo. Eh bien, nous tenons, par transmission depuis Moshe Rabbeinu, à la fin de Moshe Sinai, que Tsorot Meshalem Chatsi Nezek. Les dommages occasionnés par un caillou, par une force appliquée de l'animal, attention, de l'animal, par son pied de Regel, donc c'est son rôle de Regel, on est chayav de payer uniquement le Khatsi Nezek, la moitié du dommage. Qui ressemble un petit peu à Keren, dans quelques secondes, je vais vous expliquer qu'il y a quand même une différence essentielle. L'idée est claire, si mon animal marche et il fait sauter un caillou, du gravier qui jaillit de ses pieds et qui casse une vitre, je ne paye que le Khatsi Nezek de la vitre, la moitié du Nezek d'une vitre. Contre toute logique, nous tenons par transmission depuis Moshe Rabbeinu, Khatsi Nezek Tsorot. Nous aurons l'occasion de le réévoquer encore, probablement un petit peu. Voilà pour l'introduction de c'est quoi Tsorot. Je vais quand même préciser tout de suite un détail important avant de faire entrer tout ça dans les mots. C'est que, attention, même si on a parlé de Khatsi Nezek Tsorot, qu'il faut payer la moitié du Nezek quand c'est Tsorot, il faut quand même distinguer que ce cas de Khatsi Nezek n'est pas le même cas, n'est pas le même type de condamnation que quand on paye Khatsi Nezek de Keren.
Quand Baïkeren, nous avions appris dans la fin de la première, de la dernière, dans la fin de la Mishnah d'hier, on avait appris que quand un shor tam, un taureau simple, qui cause un dommage avec son keren et qui n'est pas averti, donc j'avais Khatsinezek, on avait appris que ce remboursement doit être réalisé à responsabilité limitée, selon le prix de l'animal. Il paye mi gufo. C'est-à-dire, si mon animal, ma vache, mon taureau qui coûte 200 shekels, en corne, un objet ou un taureau qui coûte 1000 shekels. S'il est mouad, il a averti ce taureau, il doit payer 1000 shekels, même si le taureau ne coûte que 200 shekels. S'il est tam, donc il est simple, on avait déjà appris plusieurs fois même, qu'on doit payer juste Khatsinezek, donc la moitié de 1000 shekels, ça fait 500 shekels. Mais attention, pour Keren, la Torah m'a donné encore une deuxième remise de peine, c'est que je ne paye que Migoufo, selon la valeur de son corps, jusqu'à la valeur de son corps. C'est le plafond à atteindre. Donc il coûte 200 shekels, je rembourse les 200 shekels et c'est fini, je ne dois plus rien. Ben, pour le Shor, pour le Nezek de Tsrorot qu'on est en train d'apprendre aujourd'hui, le cas de Khatsinezek, où on paye la moitié du Nezek lorsqu'un caillou jaillit de son pied et va casser une vitre, c'est vrai que je paye Khatsinezek. Donc si la vitre coûtait 1000 shekels, je dois payer que 500. Mais cette fois-ci, ce n'est plus à responsabilité limitée jusqu'au plafond du prix de l'animal, mais je dois le payer de ma poche. C'est clair? Donc maintenant, on va faire entrer tout ça dans les mots, jusqu'à les deux tiers de la Mishnah, ou là-bas, la moitié de la Mishnah, parce qu'on va rentrer dans un cas plus précis de Tsrorot, où la Mishnah va nous illustrer un cas encore plus détaillé pour bien mettre en évidence c'est quoi Gufo et c'est quoi Koro. Donc maintenant, on a fait la première partie de la Mishnah, on l'a déjà lu. Aïta meva etet. Elle a donné un coup de pied, donc ça c'est le cas qu'on a mentionné tout à l'heure, où cette fois-ci on est chayav à cause de keren, la corne, parce que c'est avec intention d'être causé un dommage. Et cette fois-ci, ce sera un chatsinezek migouf, comme ce qu'on a dit. Mais un deuxième cas, le Tana nous enseigne aussi. O shayut tsorot menatzin mitachat raglea. Ou bien qu'il y avait des cailloux qui s'éjectaient de sous ses pieds. Et donc elle a cassé des objets à distance. Alors l'Alaha nous enseigne, mais Shalem Khatsinezek. C'est clair? Alors maintenant on peut continuer. Où le Tana va maintenant rentrer dans un détail encore plus approfondi pour bien nous mettre en évidence. Si l'animal était en train de marcher et a shooté dans un verre, qui ne s'est pas cassé tout de suite, le verre a roulé et est parti plus loin et il s'est éclaté. Et pendant qu'il s'éclatait, il y a eu un débris qui a sauté sur une autre vitre et qui a aussi cassé la deuxième vitre. La Mishnah nous enseigne, sache que sur le premier verre, tu dois payer Nezek Shalem. Et sur le deuxième verre, tu payeras que Khatsinezek, parce que le deuxième vitre, la vitre cassée, cette fois-ci, ce sera un cas de Khatsinezek Sorot. Ce sera un cas de Koro. Vous allez me dire, mais je ne comprends pas. J'ai bien pris le cas d'un verre qu'elle a shooté directement, c'est vrai, mais elle n'a pas cassé tout de suite. Elle a cassé à distance. Alors là, c'est un cas particulier que la Gemara nous explique, que Batar Meikara Azenan. On remarque, quand l'animal casse un verre en appliquant la force sur l'objet, même si l'objet ne se brise pas tout de suite, mais se brise plus tard, puisque c'est la force appliquée directement sur l'objet qui l'a cassé, on considère que c'est un cas de Nezek à l'aider Goufo, à l'aider son corps. Par contre, une fois que le verre se casse et qu'il y a un deuxième débris qui jaillit et qui va casser une autre vitre, cette fois-ci, là, ça devient Kocha. Et donc, je paierai que Khatsinezek, c'est clair. On fait ça dans les mots. Darsa alakli ushvaratu. Elle a marché sur un ustensile et elle a brisé, cassé. Ce que je dis, c'est par rapport à la... Bon, va bien, qui veut qu'on le fait rentrer, ça. Darsa alakli ushvaratu, qu'elle a cassé, que ce soit tout de suite ou que ce soit un petit peu plus loin. Et ensuite... Venafal akli ushvaro. Et ensuite, un des débris est tombé sur un autre ustensile et l'a cassé. Alors, Rishon Meshalem Nezek Shalem, Balacharo Meshalem Khatsinezek. Sur le premier, l'animal, le propriétaire, payera juste le Nezek Shalem, plein pot. Balacharo Meshalem Khatsinezek. Et sur l'autre, on payera Khatsinezek. Ça marche. Maintenant, on va prendre un autre cas particulier. Étant donné que la Torah a présenté les cas des Nezakim, les cas de dommages des animaux, toujours en parlant de shor, de taureaux, de troupeaux. Alors il y a des... La Gemara va déduire que bien sûr on est chayav, même si j'en vois
même si j'envoie des poules, même si j'envoie des chayot, des animaux, d'accord, des animaux plus sauvages, des tarnégolim qui sont des poules, des coqs, je suis aussi chayav, parce que quand je te dis un animal, c'est vrai que je te parle d'un animal, béma, parce qu'en hébreu, on différencie béma, chayav et ophot. En français, de retour, on trouve sur le mot animal. Dans la Torah de Kodesh, c'est un petit peu moins évident, mais on l'apprend malgré tout que quand la Torah nous dit béma, ça implique tout, béma, chaya et tous les sortes d'animaux en fait. D'accord ? Donc, Atarnegolet Mouadin et l'alerte qui est d'Arkan ou le Chaver. La Mishnah commence à nous enseigner. Un coq, une poule, sont aussi considérés comme Mouad, comme quelque chose d'habituel, de marcher et de causer des dommages aussi pendant qu'ils marchent, même s'ils battent des ailes par exemple. Attention, on parle à nouveau que c'est l'aile directement qui, pendant qu'elle s'ouvre, il frappe l'objet et l'objet tombe par terre et se casse. Par contre, ça va être explicité, donc on attend, on va lire dans la Mishnah. Hayad dlil kashum eraglav. Par contre, s'il y avait un dlil, une sorte de petit ruban, qui c'est une petite ficelle, qui s'accrochait sous son pied, et donc pendant qu'il marchait, systématiquement, il met un coup de pression sur la. Il tire sur la ficelle, et donc maintenant la ficelle marche. La ficelle. Par exemple, on va dire qu'on va prendre un cas où il y a par exemple une pierre de l'autre côté ou quelque chose de plus lourd, dès qu'il va donner son petit coup de patte, alors il va y avoir de l'autre côté la pierre qui va partir par sa force, et donc dans ça là ce sera un câble de tsorot, d'accord ? Atanagolé Moadim l'alerkid al kanul shaber, ayadlil kashon de raglav, s'il avait un ruban accroché à son pied, oshaya mehades ou mshaber et akelim, ou encore, s'il était en train de, ouais, comme c'est fréquent chez les poulets, de se mettre à battre des ailes un peu violemment, et donc il y a du vent qui sort dessous ses ailes, cette fois-ci ce vent, ça s'appellera Kocho de nouveau, et donc il sera que Khatinezek, Meshalem Khatinezek. C'était clair? On fait vite vite ça dans les mots du Barthénora. Keitzad Aregel Moedet, Klomar, Bezedavar Aregel Moedet. Comment il est le cas du Regel où il faudra payer, ou c'est le cas habituel de Régel, mais les chapeurs Ben Rechelocha, et donc il répond, Barthénora, comme ce qu'on a déjà expliqué, il rajoute des fois des mots pour pouvoir, parce que la Mishnah manque des fois à mettre les mots de transition, donc le Barthénora vient les rajoute. Il y a une question et une réponse. Bekach imoedet, shemeshaberet, kenim Ben Rechelocha, ainsi est le cas où il est mouad, il est prévenu, il est prévenu de casser Ben Rechelocha en marchant habituellement. Abehema moedet. Alors là, il y a un problème, comme ce qu'on avait soulevé tout à l'heure, on a dit, quoi, tu me dis, qu'est-ce que ça d'Aregel Moedet, les chèvres de l'Ocha, Bema Moedet l'Aler, Kedarta ou Shaber. Tu me répètes la même chose. Sur ça, Rechatana Avot. Dans le cas de la Risha, on a précisé on a entendu enseigner la Lacha du Av, du cas type, écrit dans la Torah, qui est Regel, Regel Mamash, Shadar Saber Regler, qu'elle a Mamash piétiné avec elle concrètement, et que piétiné avec ses pieds. Mais Seifa Tana Toldot, et dans la Seifa, dans la deuxième partie, on a enseigné le cas des Toldot, des dérivés. Shabema Moedet, les alerts Kedarka, le Shaber Begoufa, qu'elle a l'habitude de marcher avec et de causer dommage avec son corps, Besahara, avec sa crinière, ou Beshalif Chalet avec la charge qui est accrochée sur elle, Der Khilucha, l'essentiel c'est que ça se passe constamment, mais Der Khilucha en marchant de manière tout à fait naturelle, inintentionnelle. Et c'est c'est ça le cas type de Regen. Aïta Mevaedet. Le Barthénois nous explique, chinouille rousé, pour les plus méticuleux, il y a un petit problème avec ce petit mot chinouille, mais on expliquera ça demain quand on étudiera la Mishnah Bet, sinon ça fait trop de données d'un coup. Chinouille rousé, c'est un cas différent, un cas inattendu, donc cette fois-ci ça devient un Vetolda de Keren. C'est, nous on l'a expliqué tout à l'heure à l'oral en expliquant que non, mais Vetet c'est qu'elle mettait un vrai coup de pied tout simplement. Il l'explique un petit peu différemment, donc on expliquera ça demain. Vetolda de Keren. Ilka Khatinezek Vetula. C'est pour ça qu'il faut payer juste Khatinezek et pas plus, parce que cette fois-ci c'est un cas dérivé de Keren. O Shayutsorot Menatzin, ou bien c'est le cas donc le cas type de Tsorot qui jaillisse de sous ses pieds. Afalgav de Lavshinoyu, Ela Ocheu, même si ce n'est pas un cas inattendu, c'est tout à fait habituel. Autant qu'elle casse en piétinant, il y a aussi du gravier qui s'éjecte de sous ses pieds et qu'elle casse. Enfin, Pichen Khatinezek Vetulo, des Hilchetag Mirala. Malgré tout, il faut payer juste Khatinezek et pas plus, parce que c'est une halakha de Moshe Sinaï qu'on n'a pas transmission. Au Birchut Anizak Kahamar. Et donc, puisqu'attention, puisque ça devient une tolda de Regel, donc on ne sera plus Khayav Birchut Arabim dans le domaine public autant que Regel. Juste Birchut Anizak, juste si mon animal rentre chez le Nizak. Des Birchut Arabim, pas tout. Des tsorot, tolda de règle, ni nous les potrans que je te rabis, puisque tsorot, le cas de tsorot du gravier,
est un dérivé de Régel, avec une petite différence, c'est qu'on travaille avec Ratzinezek. Venafal al-Kli Acher. Là maintenant on est passé dans le cas de la troisième Baba, de la Mishnah, où on parle qu'elle a shooté dans le premier Kli, et du Kli, du premier ustensile, il y a eu un débris qui est parti casser un autre ustensile. Venafal al-Kli Acher. Rishon niske Régel Hed, on mechalemet Nezek Shalem. Sur le premier, on est chayav que, on est chayav Nezek Shalem, plein pot, parce que c'est un dérivé de Régel. Ve'acharon, allez des tsorot, nishbar. Par contre, le deuxième, se fait que c'est pas des tsorot. Et donc, il y a le khatinezek. C'est pour ça qu'il faut payer que le khatinezek. Dlil kashur beraglo. C'est quoi dlil? Moi, je vous ai traduit ça par un petit ruban. Vatanura nous dit qu'en fait, kol davar nikshar ba regel atarnegolet karoui dlil. Tout ce qui s'attache sur le pied d'un poulet est appelé dlil dans la Torah. Vite dégarcer dlil. Il y en a qui disent non, qu'il faut dire qu'il n'y a pas écrit Dlil, mais il y a marqué Dlil. Dlil, c'est un seau. En fait, c'est un seau avec une corde. L'idée est exactement la même. Mais Hades, c'est qu'il est Meraked, qu'il danse. Vede Mefarchev, Chofer Beraglav Baaretz, et derrière Khatan Regolim, il y en a qui expliquent non, c'est pas qu'il est en train de danser ou de faire du vent, mais c'est que comme c'est l'habitude des coqs, de se mettre à creuser, à secouer le sable. Et donc, suite à ça, il a envoyé un petit caillou. Mais Shalom Khatinezek, des Dlil à une autre Tsorot. Pourquoi est-ce qu'on appelle Khatinezek? Parce que le Dlil, ce petit ruban, ça s'appelle Tsorot. Des Boto Dlil, Adainu le Tsorot à la Kelim. Oh, c'est pas comme ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, mais ça revient. L'idée est la même malgré tout. Cette fois-ci, le Bartanora comprend plutôt que le Dlil, pendant qu'il a fait bouger ce petit ruban, alors il a éjecté, c'est le ruban qui a éjecté le caillou. En fait, le ridouche, il est que même si c'est pas son corps qui éjecte, mais c'est quelque chose qui tient par son corps, par exemple si elle avait un bâton ou quoi que ce soit, ben, ça deviendra aussi Mishum Khatsi Nezek. D'accord? Ok. C'est ça. Ce que je vous expliquais, moi, c'est l'explication de Rashi sur la Mishnah. Ça a rapporté chez moi dans mon fous de Mishnah, où c'est finalement, au moment où il commence à lancer le Dlil, c'est vrai que le Dlil, il est relié à son corps, mais en fait au moment où le Dlil part, c'est plus sa force appliquée, c'est plus son corps directement, c'est plus qu'il est en train de le tirer constamment, mais c'est que la force appliquée va et cause un dommage plus loin. Vehidus nami kegon, et aussi le cas maintenant, le cas de la Seifa de Hidus, où elle danse, c'est aussi un cas de Vehidus nami kegon sheitiz votan tsorot shabrot akelim, où elle s'est mis à battre des ailes, et donc voilà, il y a eu un petit caillou qui est parti, qui a cassé des kelim. Et c'est tout pour aujourd'hui. En vous souhaitant une excellente journée, pleine de hatzlacha, kol tov sera et à demain.